Hank, c'est moi. Tu me reçois? Il y a un truc qui cloche ici. Ça craint du boudin. Tiens, tiens, tiens. Regardez ça, mes amis. Un concurrent qui tente de saboter le dôme de combat. Comme c'est grisant. S'il réussit, il libérera les autres concurrents. Mais s'il échoue, j'ai relié le dôme de combat à 6 gigatonnes de nitroglycérine. Et si Ratchet ne parvient pas à désamorcer le détonateur à temps, cet endroit explosera en un milliard de confettis. Mais vous êtes malade! Au contraire! Si j'étais encore dans le dôme, là, je serais fou. Mais j'ai préféré prendre un peu de distance pour mieux apprécier ce spectacle extraordinaire. Ah ouais? Et vous comptez faire quoi? Des milliers de fans présents dans le dôme? Vous allez les tuer aussi? Non, pas moi! Toi, oui! Maintenant, boucle-la et passe à l'action. Allez, vas-y, petit, ton public t'attend! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à l'ultime épisode de Dread Zone. Oh mon dieu, on va tous y rester. L'ambiance est absolument électrique. Le public meurt d'impatience de savoir s'il survivra aux 10 dernières minutes. Oh, mais comment je peux dire un truc comme ça? Oh, j'avais la vue devant moi. J'allais devenir un grand danseur. Allez, reprends-toi, espèce de gosse là. Merci, Juanita. La superstar Ratchet est confrontée à son plus grand défi. Désactiver le formidable système de défense du dôme de combat et vaincre Gleeman Vox lui-même. Je saisis cette opportunité pour saluer Ratchet, qui représente un superbe modèle et un véritable pilier pour nous tous. Si quelqu'un peut nous sauver, c'est toi, Ratchet. Nous sommes avec toi, petit héros.